Togo, le mois d'octobre est essentiellement réservé à la sensibilisation et à la consommation des produits locaux. Et il est nommé le mois du consommer local. Par contre, à l'international, ce mois est réservé à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Au Togo, en plus d'encourager les femmes à se dépister, ce mois promeut les producteurs locaux et leurs produits. Dans cette émission, nous allons vous présenter quelques producteurs locaux et leurs produits. Restez là, on revient tout à l'heure. Chers téléspectateurs de la radio-télévision JVA, bonjour et bienvenue dans votre émission Un regard sur la Bible. Vous le savez très bien que nous sommes dans le mois du consommer local au Togo. Je le disais dans mon introduction que dans le monde entier, ce mois est réservé à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et est appelé le mois d'octobre rose. Mais au Togo, ce sont les producteurs et leurs produits qui sont mis en valeur. Alors sur ce plateau, j'ai avec moi deux producteurs locaux que je m'en vais rapidement vous présenter. Alors, mon premier invité se nomme Zozo Edem Kossi. Edem, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Nous allons très bien. Ça va très bien. Ouais. Vous êtes membre à l'Église des Assemblées de Dieu de Botakolas. Super ça. Alors, Monsieur Zozo Kossi Edem est titulaire d'un master en marketing stratégie à l'Université de Lomé. Et il est lauréat de la Fondation Tony et les Melou et lauréat de pitch des jeunes startups organisés par l'IAAS. Vous êtes également sélectionné comme jeune chef d'entreprise sur le projet PAIAGE. Voilà, super ça. Donc, merci de me prêter l'acronyme. Et donc, vous faites partie également, vous évoluez et vous faites partie du secteur de la boucherie-charcuterie au niveau de la société Togo Viande. Oui. Merci bien. Merci. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Alors, mon second invité se nomme M. Koudakbo S.Luc. S, ça veut dire quoi d'abord? C'est tout. Pardon? C'est tout. C'est tout, ça veut dire bénédiction. Bénédiction. Et un autre école, hein? On allait plutôt afficher ça totalement. Luc S. qui veut dire c'est tout. Vous êtes un étudiant en master en agronomie à l'Université de Lomé avec une spécialité en sciences et productions animales. Vous êtes un passionné de l'entrepreneuriat agricole, plus précisément l'élevage, et vous conciliez études supérieures et puis vos activités à la ferme Hero Bord de la société Savial depuis 2015. Effectivement. Et cette société à responsabilité limitée produit localement des poulets de chair et de très bonne qualité et appétissante, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que tu as apporté quand même pour la dégustation? Je vais vous poser cette question. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Alors, nous sommes dans le mois du consommer local au Togo. Et quand on parle de la consommation locale ou bien du consommer local, ce sont des produits que nous faisons ou bien nous fabriquons, nous produisons en fait chez nous ici au Togo. Alors, j'aimerais d'abord savoir pour vous, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle du mois du consommer local, en tant que producteur local? Merci beaucoup, madame, pour la question. Ouais. Je dirais que je l'ai accueilli avec toute joie. Mm-hmm. Ça a été une joie. Je dirais que l'initiative mise en place par notre gouvernement nous permet de faire voir ce que nous produisons, pas uniquement au Togo. Et peut-être même dans nos régions, on ne se fait pas connaître, mais avec l'initiative, tout le monde a l'écho. Ah, il consommait local, local. Ah, il y a ce qu'il y a, tout ça au Togo. Et qu'est-ce qui se produit exactement? Chez moi, exactement, je produis le poulet de chair que nous mettons à disposition des produits de très bonne qualité. Et nous respectons le bien-être animal. Nous produisons avec les ingrédients locaux. Ce qui fait qu'à la fin de notre production, nos poulets sont appétissantes. Alors, monsieur Edem, ouais, vous qui êtes charcutier et puis boucher, dites-nous comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? D'accord. La mise en place de ce mois du consommer local, disons, en général, c'est une bonne initiative que le gouvernement a mis en place. Et cela permet à nous, transformateurs locaux, de parler de nos produits de long en large durant ce mois. Et
Déjà, chez nous, à Togo Viande, c'est une très grande joie parce que ça nous permet encore de plus communiquer sur nos produits, mm-hmm. de le présenter encore plus sur différents salons mm-hmm. et les différentes foires qui s'organisent durant ce mois du consommé local. Super ça. Alors, chez vous particulièrement, qu'est-ce que vous produisez? D'accord. Togo Viande, particulièrement, est une boucherie charcuterie, mm-hmm. mais aussi qui accompagne aussi les éleveurs locaux. Okay. C'est l'initiative même. Et ce que nous faisons en premier lieu, c'est que nous travaillons avec nos éleveurs ici sur le territoire national. D'accord. Et actuellement, Togo Viande a un cluster qui contient 40 éleveurs et 3 collecteurs. Ces éleveurs élèvent les animaux comme les poulets locaux, les pintades, les moutons, les chèvres et les bœufs. Mm-hmm. Et nous nous approvisionnons à leur niveau et nous abattons ces animaux que nous transformons. Alors, à Togo Viande aujourd'hui, vous pouvez trouver la viande de chèvre, qui est notre produit phare même, mm-hmm. parce que c'est une viande qui est plus consommée sur Togo, comme qu'on appelle, disons, couramment en éveil, Igbolan. Yeah. C'est une viande très délicieuse qui contient beaucoup de protéines. Yeah. Et au sud Togo, ben, il n'y a aucune fête où on dit, où on ne consomme pas cette viande, on dit toujours, mm-hmm. mivez l'Igbolan Kamiaou. Alors nous faisons plus la promotion de cette viande. Mm-hmm. À part ça, vous avez la viande de bœuf, vous avez les poulets. Mm-hmm. Les poulets que nous appelons aussi les poulets bicyclettes, mm-hmm. nous en vendons aussi les races asso, nous vendons aussi les lapins et aussi nous produisons les saucisses à base de viande de bœuf. Super. Donc, alors qu'est-ce que ça fait d'être un entrepreneur chrétien? Ah, ça fait beaucoup de choses. Hein. Comme quoi? Ça fait beaucoup de choses. On veut le savoir. Hein? Un entrepreneur chrétien, c'est celui qui est appelé à avoir un impact sur la société, yeah. à promouvoir le travail. Le travail dans le secteur privé, mm-hmm. pas tout le temps attendre un revenu du secteur public. Mm-hmm. Ça nous permet d'être autonomes. Yeah. Et quand même, nous voyons dans la Bible les grands riches dont on a parlé la Bible, ah oui, mais... par l'exemple d'Abraham, oui, on et... compare toujours leur voilà. richesse par rapport au groupe d'animaux qu'ils avaient. Et que ce soit même Job. Yeah. La Bible n'a pas parlé d'argent. Non. Il a comparé sa richesse avec les animaux. Ce qui fait que ça nous a suscité en nous d'entreprendre plus dans l'élevage parce qu'on a remarqué qu'il y a un besoin, il y a un très grand besoin et en ce qui concerne la protéine animale mm-hmm. ici au Togo, que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest. Alors donc, vous puisez vos ressources, surtout spirituelles, parce que nous sommes des chrétiens, ouais. en nos patriarches qui ont vécu. Voilà. Et qu'est-ce que vous apprenez effectivement de, je veux dire? Ok. Déjà, de nos aïeux, mm-hmm. comme mon frère vient de la cité, Abraham, Noé, Isaac, David, ces hommes, ce sont des battants. Yeah. Ils ne sont pas résilients, ils ne mettent pas la main mm-hmm. entre les gens pour dire non, je ne dois pas bouger parce que Dieu a dit la main va tomber du ciel, mais plutôt ce sont des gens qui bougeaient. Ils sont plutôt résilients. Oui, ils sont plutôt résilients, voilà. Voilà. Mm-hmm. Ils ne mettent pas la main entre les gens pour yeah. dire la main va tomber. La main va tomber du ciel. Non, non, non. Ils vont toujours au front, ils se battaient pour pouvoir, disons, apporter un plus à leur société. Et même quand la manne tombait, ils se déplaçaient pour aller les chercher. Oui, mm-hmm. mais disons, en ce temps-là, on disait plutôt que c'était plus facile pour eux. Mais quand, au moment de se battre, mm-hmm. ben, eux, ce sont des hommes qui étaient différents des autres. Yeah. Yeah. Ils étaient vraiment différents. Exemple, prenons le cas de David qui mm-hmm. amenait les troupeaux, allait au pâturage pour qu'ils puissent manger. Mm-hmm. Mais il est là, il les défend contre les animaux féroces mm-hmm. et les ramenait. C'est tout un travail qu'il faisait. Exactement. Alors, c'est d'eux qu'on puise aussi nos énergies mm-hmm. pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour que les jeunes générations ou nos frères qui sont au sein de l'église mm-hmm. puissent savoir que, ben, et nous avons du pain sur la planche. Super. Et nous sommes c'est ensemble que nous pouvons mm-hmm. relever un grand défi pour pouvoir pousser la jeune génération chrétienne à aller encore plus loin. Merci beaucoup. Merci. Au niveau de la société Savielle, vous portez quelle casquette là-bas? Souvent le bleu. Non, je vais parler du titre. Hein. De votre titre au sein de la société. Ah, ok, ok. Alors, je vous ai fait perdre un peu, allez-y. Ok, au niveau de la cité Savial, je suis le responsable d'exploitation. Mm-hmm. Donc, je coordonne toute activité qui se fait sur la ferme, mm-hmm. De la planification jusqu'à sa concrétisation, mm-hmm. que ce soit la commande des poussins, l'achat des poussins, la production, la provende, jusqu'à l'étape où ils doivent être abattus. Mm-hmm. Après abattage, on congèle ici chez nous à Lomé. Yeah. Oui. Et donc, je gère toute la chaîne. Super. Et donc, chez vous, vous produisez
tu l'as bien précisé, vous l'avez bien précisé, oui. Bah, on se tutoie parfois parce que on n'est que des jeunes ici. Voilà. Donc, vous produisez les poulets de bonne chair, c'est ça? Oui. Et très, très. Et ces viandes sont appétissantes, vous l'avez oui. bien mentionné. Alors, est-ce que la technique peut déjà nous envoyer quelques images de ces produits qui se produisent, je veux dire, voilà, à la ferme Ribot Savial. Yeah. Est-ce qu'il y a quelques images qu'on peut rapidement voir, s'il te plaît, Enoch? Voilà. Et c'est ça? Voilà. Mm-hmm. Ça, c'est tout moi. Yeah. En pleine activité. Exactement. On était prêts pour avoir ce sujet-là. Oh! Oh, désolé pour vous. Hein. Parce que notre sauce sera appétissante, voilà, donc désolé voilà. pour vous. La clientèle voulait goûter quelque chose de naturel, yeah. de bio. Donc, j'étais allé. Et prendre. Donc là, c'est la viande qui est toute prête oui. à vendre 1,8 kg. Oui. C'est ça. Et c'est. Nous sommes en promotion d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes en promotion. Oui, nous sommes en promotion. Pour ce mois, on termine la promotion le 31 octobre. Mm-hmm. Je dirais que, après abattage, yeah. après avoir éviscéré nos poulets, on met la tête, les pattes et les gésiers dans le poulet. Okay. Pour que le consommateur sache qu'effectivement, oh, ce sont des sujets que nous-mêmes on a abattus, que ce n'est pas des poulets importés. Mmh. Non. Alors, c'est du naturel. Super ça. Alors, si par exemple, nos chers téléspectateurs, téléspectatrices veulent vous contacter rapidement, sur quel numéro ils peuvent vous contacter? Oui, oui. Déjà sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook, vous pouvez nous trouver. Et allez seulement sur Facebook, tapez Savial, abonnez-vous. Et il y a un lien qui va nous amener directement dans notre WhatsApp inbox, qui est le 91-59-70-70. Super ça. Je crois que ce numéro sera recommuniqué vers la fin de oui. notre émission. Alors, mon deuxième producteur local, c'est Edem, qui est juste à ma gauche ici. Alors, vous nous parliez dans un instant que vous produisez et la chèvre. Oui, la viande de chèvre. La viande de chèvre, la viande de bœuf, et puis les poulets, la viande de lapin, okay. et puis les saucisses. C'est ça. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces viandes-là vous permettent vous transformez ces viandes en saucisses. Donc, ce qui veut dire que ce que nous achetons sur le marché, on peut s'arrêter de les acheter et commencer par acheter vos saucisses. Ouais. Est-ce que vous pourrez nous les présenter, s'il vous plaît? D'accord. Déjà, les produits de Togo Viande, ce sont des produits où on travaille énormément dessus avant de le mettre sur le marché. Yeah. Et au premier abord, quand nous abattons nos animaux, elles ne sont pas abattues directement dans nos locaux. Okay. Elles sont abattues à l'abattoir national. D'accord. Pour les faire contrôler par les vétérinaires. Okay. Les vétérinaires le contrôlent avant que nous le ramenions dans nos locaux. Et après découpage, nous laissons au frais durant 48 heures pour que ça puisse évacuer complètement le sang. Mm-hmm. Ça, vous avez de la viande de chèvre qui est là. Et ça, c'est combien de kilos? Ça, c'est un demi-kilo. D'accord. Qui est à 1800. Un demi-kilo. Oui, Togo viande dessus. Oui, c'est uniquement la viande de chèvre. Très yeah. propre. Quand nous finissons, nous découpons, c'est déjà prêt à la consommation. Yeah. Juste le mettre dans la marmite, okay. mettre les épices. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre encore. Ouais. À part ça, vous avez la viande de bœuf, oui. aussi déjà nettoyée c'est et découpée. Ça. Mm-hmm. Qui est, ça, c'est un format d'un kilo que nous vendons à 3000, comme au marché. D'accord, tournez ça comme ça pour qu'ils puissent le voir bien. Comme au marché. Mm-hmm. Donc, c'est déjà découpé. Donc, il n'y a même plus de travail à faire là-dessus. Il n'y a plus de travail à faire c'est... dessus. Oh là, c'est juste, c'est cool. juste dégivrer. Mm-hmm. Et puis, vous le mettez au feu. Et déglacer. Ouais. Et puis, mettre les épices. Et voilà, la sauce est prête. Oui. Encore quelque à chose. À part ça, vous avez vos saucisses. Mm-hmm. Vos saucisses qui sont là. C'est aussi fait à base de viande de bœuf et aux épices locales. Il n'y a rien, il n'y a aucun produit chimique qui est mis à l'intérieur. Qui sont ces candidats aux saucisses ici? Voilà. Yeah, je pense que tu adores le saucisse et tu en manges tous les jours. Et donc, aujourd'hui, Togo Viande oui. te fait savoir qu'au Togo, on peut trouver des saucisses locaux. On dit le saucisse, n'est-ce pas? Oui. C'est ça? Hein? La saucisse. La saucisse. Hein? Oui. C'est ça, la saucisse? Oui, la saucisse. C'est ça, c'est ça. Le français. Désolé pour moi. Donc là, ici, ce sont les saucisses locales que vous pourrez consommer. Il y a des prix pas très élevés. Est-ce que ça, vous pouvez donner le prix? Un demi-kilo. Ça, c'est okay. un demi-kilo qui est oui. à 2000. Mm-hmm. Nous avons 5 dedans. C'est plus gros que les saucisses qu'on nous importe. C'est ça. C'est très gros. Mm-hmm. C'est très gros. Et disons, c'est les épices locales qu'on a pris pour les fabriquer.
Il n'y a aucun produit chimique qui sont à l'intérieur. Mm-hmm. Et ce sont des produits, quand vous l'achetez, vous pouvez le mettre au congélo, mm-hmm. et le sortir, le cuire comme vous le voulez. On cuit les saucisses portées facilement et on les, vous pouvez le déguster. Mm-hmm. Et il y en a jusqu'à 5 et puis c'est bien gros et bien lourd. Hein. Waouh! Très lourd. Ça, c'est un demi-kilo que vous avez. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Nous prions que le ciel bénisse davantage ces activités afin que, qu'il y ait beaucoup de bénéfices. Parlant de bénéfices, est-ce que dans ce mois d'octobre, vous avez eu un changement au niveau du chiffre d'affaires? Est-ce que ça a grimpé? Parce que nous sommes qu'à quelques jours de la fin du mois d'octobre. Oui. Dieu merci, j'ai remarqué qu'il y a une nette amélioration concernant nos chiffres d'affaires ce mois-ci. Mm-hmm. Voilà, il y a plus de visibilité. Mm-hmm. Il y a plus de visibilité, ce qui fait qu'on est mieux connu. Et les consommateurs directs nous appellent pour « Ah, je veux un poulet, ah, je veux un poulet, je veux deux poulets. » D'ici des débuts, le lancement a été fait le 9 de ce mois. Nous, déjà, une semaine bien avant le lancement, on était en pleine activité. La visibilité, puisque déjà arrivé dans le mois d'octobre, il y a déjà sa clientèle, il y a consommer local. Donc déjà, dès le premier, on a commencé à vendre. Au jour d'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a une nette amélioration de nos ventes par rapport à autrefois. Super ça. Alors, si vous êtes fatigué de manger les produits congelés venus d'ailleurs, les voir, ils sont en promotion, ils finissent le 31 octobre, encore quelques jours pour la fin du mois. Mmh. Et donc, profitez au lieu de 5 000, achetez 1 kilo 8 à 4 000 francs. Génial. Votre numéro, monsieur Zozo. D'accord. Notre contact, c'est le 92 45 17 31. Et pour joindre notre service clientèle, vous pouvez nous écrire sur le 92 42 69 20. Alors, est-ce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Ok, enfin, Togo Viande est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. Yeah. Tapez juste Togo Viande, tout collé. Mm-hmm. Et vous nous trouvez. TikTok, vous pouvez nous trouver. Sur LinkedIn aussi, tapez juste Togo Viande, Togo Viande, c'est tout collé. Et vous nous tombez dessus. Super, ça. Sur les deux numéros que je viens de donner, vous pouvez nous créer sur WhatsApp aussi. Et on répond à l'instant. Merci. Alors, est-ce que vous êtes confronté à des défis, à des difficultés rapidement? Ah oui, il y a les défis. Il y en a tout le temps. La vie d'un entrepreneur est menée de défis. Et quels sont les plus gros d'ailleurs que vous rencontrez? Ah, aujourd'hui, nous sommes confrontés à le plus grand défi qu'on a. Le plus grand défi. Actuellement, c'est que la clientèle veut, mais n'a pas le pouvoir d'achat pour passer à l'action. Okay. On les comprend, on est tous dégoulés, on se comprend. Mais nous aimerons leur dire que nous produisons des choses de qualité. Sans produits chimiques. Même chez nous, à l'élevage, il n'y a pas d'antibiotiques. Il n'y a pas de résidus d'antibiotiques dans le poulet. Et comment est-ce que vous traitez vos poulets? Puisqu'il n'y a pas d'antibiotiques. Ouais. Et on le fait de manière thérapeutique, comme nos grands-mères, nos aïeux le faisaient. Ah bon? Voilà. Et comment ils le faisaient? En utilisant les plantes comme les moringa et autres, ça permet de booster leur immunité, donc ils ne sont pas malades. Ah d'accord, super ça. Et à votre niveau, M. Zozo, vous avez des défis aussi que vous rencontrez? Oui, les défis, comme il a dit, c'est toujours, on est habitué et on vit avec tout le temps. Et déjà, par rapport aux défis, comme le pouvoir d'achat du Togolais, c'est un peu faible. Mais ce que moi, j'aimerais leur dire, c'est de faire l'effort de, au moins dans le mois de consommer au moins une, deux fois les produits locaux. Et quand ils le font, ils nous permettent de produire encore à une plus grande échelle. C'est un coup de pouce, en fait, qu'ils nous donnent. Surtout à notre niveau, quand ils achètent un poulet à notre niveau, ils achètent ça depuis nos grands-parents ou nos pères qui sont au village. Parce que nous, on s'approche depuis le village pour pouvoir les abattre ici à Lomé, pour pouvoir leur faciliter, aux éleveurs de trouver des débouchés facilement ici à Lomé. C'est notre initiative que nous mettons effectivement en place. Alors nous invitons au moins de le faire l'effort d'acheter au moins une, deux fois dans le mois. C'est déjà un appel que vous leur lancez. Et au jour le jour, quand ils le font, ça nous permet de produire à une plus grande échelle pour pouvoir réduire le prix de nos produits dans l'avenir. Et aussi, dans notre domaine de boucherie, charcuterie, nous avons besoin d'énormément d'équipements pour pouvoir produire. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de certains équipements importants, exemple comme un curteur, pour pouvoir produire encore des saucisses plus performants que celles-ci. D'accord. Alors, on a besoin énormément de subventions aussi, des appuis financiers. Pour pouvoir mieux tourner nos entreprises. Parce qu'on a énormément besoin de fonds de roulement pour pouvoir, servir la clientèle en temps réel.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Luc, oui. Est-ce que vous avez un appel à lancer au cœur du Christ et puis à toute la population togolaise? Oui, oui. Un appel sérieux à lancer au corps de Christ. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à impacter ce monde. Et nous ne pouvons impacter ce monde qu'en innovant, qu'en créant, et que ce soit dans le domaine des choses, des animaux, des végétales, ou bien dans la technologie, nous sommes appelés à impacter dans le monde. Donc j'appelle le corps de Christ à s'y donner. Certes, nos parents avaient eu l'idée que ah, mon enfant doit aller à l'école, après l'école, il doit trouver un bon boulot dans l'administratif pour évoluer. C'est une très bonne idée, mais à côté de cela, nous sommes aussi appelés tout d'abord à avoir l'autonomie et alimentaire suffisante, à ne pas dépendre tout le temps de l'Occident. Donc, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à impacter le monde, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le monde de la production agronomique et autres, nous sommes appelés à impacter. Je dirais aussi oui. que, autrefois, nos parents chrétiens, ils n'avaient pas su mettre l'accent sur la santé, le bien-être physique de nous chrétiens. On se préoccupait plus de la santé spirituelle. Oui, c'est bon, mais à part la santé spirituelle, il faut qu'on mange des aliments de qualité pour pouvoir vivre assez longtemps. Super ça. Merci beaucoup, Monsieur Zozo. Oui, un appel à lancer à la population. L'appel à lancer, c'est déjà ce que j'aimerais leur dire, c'est que au Togo, on importe déjà plus de 21 milliards de francs CFA de produits carnés. Oh. Les viandes et autres, ce sont des produits carnés. On apporte plus de 21 milliards. Ils ont, en 2021, c'est ce que l'Agri-Digital a publié. En 2022, ça a augmenté à 31,5 milliards. C'est-à-dire qu'on consomme énormément de viande ici au Togo. Poussons nos jeunes frères, nous, qui sont vos frères, vos soeurs, qui évoluons dans ce domaine, consommons nos produits pour qu'on puisse combler ce vide qui est là, que les autres pays n'investissent pas trop dans notre pays pour qu'on puisse développer cette jeunesse qui souffre. Chaque temps, on crée le chômage, alors que nous-mêmes, nous avons des initiatives que nous pouvons vraiment booster pour aller vraiment loin. Et aussi, pour terminer, nous, d'habitude, en fin d'année comme ça, nous faisons des réservations pour les fêtes. Alors, nous demandons à la population de contacter nos numéros qui sont là. Reprenez le 92 45 731. Vous réservez les viandes que vous voulez. Les chèvres à partir de 30 000, les poulets à partir de 3 500, les saucisses, tous les produits que vous voulez en fin d'année en termes de produits carnés, réservez-les. Commencez par envoyer l'argent petit à petit sur nos numéros. Et à la fin d'année, nous, on vous les livre gratuitement. Ok. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nos deux invités producteurs locaux nous ont présenté leurs produits, Monsieur Zozo. Lui et sa société sont spécialisés dans la production des saucisses, de la viande de chèvre, de bœuf et que sais-je encore? Les lapins, les poulets. Et la pintade. Merci beaucoup. Et M. Luc, et dans sa société Togo Viande, c'est ça? Hein? Non, ça vient. Et vous êtes spécialisé dans la production des poulets de chair très, et de qualité supérieure, de bonne qualité. Très bonne qualité. Et puis très, très, très appétissante. Oui. Donc, je pense que c'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler? Oui, vous avez quelque chose à dire? Oui, je voulais dire que l'idée des ressaviages n'est pas que de produire des poulets de chair. D'accord. On aimerait d'ici peu de temps, si Dieu nous prête vie, déjà en avril, on n'aura pas que les poulets de chair, on aura aussi des poulets fermiers. Des poulets fermiers, plus précisément la race Goliath. Ah, d'accord. Donc, des poulets 100% fermiers, on n'a plus besoin d'importer. Même les poussins, non, on ne va plus en acheter. On va manger 100% togolais, 100% africain. Merci beaucoup à vous. Merci d'être passé. Chers téléspectateurs, vous voulez avoir de produits locaux et sans produits chimiques, contactez nos deux amis et vous serez servis. Un autre groupe va me retrouver tout à l'heure sur ce plateau. Alors, je permets à mes amis de se retirer. À tout à l'heure. Nous revoilà sur ce plateau avec d'autres invités qui sont venus à ma compagnie. Monsieur Franck Gameli Amenyo, bonjour. Bonjour, Tata. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. Est-ce que vous pourrez un peu parler un peu plus fort? Oui. Parler à plein gosier. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes Franck Gameli Amenyo?
DG de la société Gamme Santé, et une société à responsabilité limitée. Et vous êtes spécialisé dans la production des jus de fruits dénommés jus Prince. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose encore à ajouter? Non. Merci. Merci. Alors, mon second invité, non, c'est ma seconde invitée. Eh bien, parce que c'est une jeune dame. Vous allez la voir tout à l'heure. Elle se nomme Bienvenue Ami Adibolo. Bienvenue, bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que ça va? Ça va, par la grâce de Dieu et de bon côté. Oui, je bénis le Seigneur. Okay. Est-ce que tu peux parler un peu à plein gosier? Hein? Bien sûr. Crier un peu. Alors, vous allez voir que Bienvenue est avec une écharpe. Et je précise que Bienvenue, amie, est la première dauphine de Jeune Femme Leader 2024 au Togo. C'est ça? Oui. Félicitations d'ailleurs. Merci. Maman. On s'était rencontrés l'année dernière lors de notre émission de clôture. Oui. Et juste après, le Seigneur, elle m'a fait part. Elle me faisait savoir qu'elle a été retenue pour participer. C'est un concours, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, pour participer à ce concours de sélection. Et gloire au Seigneur, elle a été retenue comme première dauphine. Une fois encore, félicitations. Merci, madame. Alors, le but pour lequel tu es venue aujourd'hui, c'est pour nous présenter tes produits parce que tu es entrepreneur et cordonnière. Oui, bien sûr. Bienvenue. Je le suis. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, vous savez que nous sommes dans le mois du consommé local. Un mois principalement instauré au Togo pour promouvoir nos produits locaux, inviter la population à consommer ce que nous produisons chez nous et ne pas toujours aller consommer les choses venues d'ailleurs. C'est dans ce cadre, bien sûr, que vous êtes là. Alors, ma première question, bienvenue. Tu es entrepreneur, cordonnière. Et il fut un temps où on a décrété le mois d'octobre comme le mois du consommer local au Togo. En tant qu'entrepreneur, comment est-ce que tu as reçu cette bonne nouvelle? Ok. En tant qu'entrepreneur, je dirais que cette nouvelle est très bonne. Et, oui, c'est une opportunité pour nous les entrepreneurs de se faire connaître, de pouvoir vendre nos produits et de se faire connaître à toute la population, comme mm-hmm. les producteurs et productrices. Je dirais que c'est un moyen pour nous de communiquer sur nos produits. Super ça. Alors à vous, DG Gamme Santé, comment est-ce que la nouvelle a été accueillie? Merci pour la question. La nouvelle a été bien accueillie. Et vu que dans les années précédentes, les produits de la sous-région n'est pas connu et la population n'arrive pas à consommer nos produits. Mais avec ce mois déjà, la publicité se fait sur nos produits. Mmh. Et on voit que de temps en temps, la population adhère à la consommation locale. Mm-hmm. Donc, c'est la bienvenue, cette information. Alors, qui parle de la sensibilisation ou de la promotion veut parler forcément du chiffre d'affaires aussi qui lève un peu la tête. Est-ce qu'à votre niveau, le chiffre d'affaires a bougé un peu? Oui, on dirait qu'avec cette déclaration, bien cette nouvelle, le chiffre mm-hmm. d'affaires bouge un peu. Ça bouge un peu. Ça bouge. Et par rapport au passé. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu une amélioration dans cette année par rapport à l'année dernière. Ça a oui. un peu grimpé. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'à quelque part, ce mois décrété porte des fruits. Hein? Oui, ça porte des fruits. Mm-hmm. Parce que dans la sous-région, maintenant, on parle du consommé local. D'accord. Donc, ça porte des fruits. Mm-hmm. Alors, au niveau de vos bienvenus, et est-ce que ça a été la même chose? Oui, je dirais oui. Uh-huh. C'est la même chose. C'est la même chose? Oui, auparavant, on n'avait pas connu nos produits, mais avec cette information du ministre du Commerce, mm-hmm. ça a permis qu'on ait eu bien un taux élevé par rapport aux années antécédentes. alors, est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez quelque chose à dire à monsieur le ministre? Oui, je profite de l'occasion pour le dire merci pour cette initiative, lui qui a permis à nous, les producteurs et productrices, d'être reconnus mm-hmm. par la population et de pouvoir vendre nos produits. Je lui dis merci. Merci. D'accord. À vous, DG Gamme Santé. Et vous parliez tantôt, bien c'est moi plutôt qui le disais, que vous produisez des jus de fruits. Appelé des jus Prince.
Est-ce que la technique peut nous envoyer l'image de la production, de ces jus-là qui sont produits par Gigam Santé? Voilà. Déjà, on voit trois différentes saveurs là-bas. Est-ce que vous pourrez nous les citer? Oui, on a le jus prince à base de pastèque à l'ananas, okay. À base de l'ananas simple et puis à base de gingembre à l'ananas. Mm-hmm. Alors, pour la production de ces boissons ou bien de ces jus, et d'où est-ce que vous approvisionnez pour les matières premières? Bon, les matières premières s'approvisionnent ici au Togo pour les ananas et le gingembre. Mm-hmm. Seule la pastèque est importée. Importée? Ça vient d'où? Du Burkina. Est-ce que le Togo ne produit pas la pastèque? Oui, le Togo produit la pastèque. Peut-être en faible quantité? Oui, ouais. Pour l'instant. Parce que je me rappelle, quand moi j'étais à Mandurie avec mon oncle, oui, on faisait en faible quantité. Parce qu'on produisait, on cultivait le champ de pastèque. Et quand le mois arrive, c'est un moment de bonheur pour moi particulièrement. Et j'en mange tellement. C'est un fruit que j'adore. Donc, du coup, vous importez parfois une partie du Burkina. Mm-hmm. Et l'autre partie maintenant auprès des cultivateurs togolais. Que vous les achetez. Oui. Alors, au niveau de la production jusqu'au niveau de la commercialisation, comment est-ce que ça se passe là? Bon, l'usine est ici au Togo et à Legbacito. Donc, l'approvisionnement se fait, comme je l'ai dit, chez les cultivateurs togolais. Mm-hmm. Et nous avions des producteurs. Okay. Donc, de la production à la commercialisation, je peux dire qu'on produit plus sur les commandes. OK. Sur commande. Oui, on produit. D'accord. Donc, vous attendez les commandes avant de produire? Non, on n'attend pas toujours les commandes, mais la plus forte partie de la production, oh, c'est sur commande. C'est sur commande. Ah, d'accord. Super ça. Alors, mademoiselle, la première dauphine. Oui, madame. Jeune femme leader. Nous, on nous fie. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous particulièrement vous produisez? OK. Moi, je produis les sacs. Oui, on peut les voir. Oui, les sacs en paille. Ouh, la maroquinerie. Amen, qu'on puisse voir. Je vois. Waouh. La dernière fois, j'avais reçu un maroquinier ici, sur ce plateau, je veux dire. C'est très beau. Hein. C'est toi-même qui le fais? Oui. Wow, c'est à féliciter. Merci. Je vois. Ça, c'est combien le numéro? C'est combien? C'est 41. Oh. Yeah. Également la ceinture. Et tu trouves les matières premières où? Oui. Parce que tu travailles de temps en temps, hein, t'en fais pas. Oui, les matières premières sont ici au Togo. On les perd au niveau de déco. Mm-hmm. Oui. Ah, d'accord. Et comment ça se passe au niveau de la fabrication, au niveau de l'achat d'abord, l'acquisition des matières premières, de la production et puis la mise en vente? Oui. Bah, et nous utilisons plusieurs matériels. Il y a la semelle, okay. Il y a le cuir. Mm-hmm. Et donc, nous allons au niveau de déco pour payer les matériels. Les semelles et les pots. Maintenant, arrivé dans l'entreprise, nous-mêmes, on passe au découpage et puis le produit fini est là. Et oui, c'est très joli. Merci. Cette chaussure particulièrement, elle me plaît beaucoup. Okay, et comme ça, vous la vendez à combien? Ça, c'est à 4 000. Oh. Mm-hmm. Alors, est-ce que je dois passer une commande? Je pense bien. Moi, je porte le numéro 39. OK. Alors, moi, je passe une commande. Il y a plusieurs motifs. Yeah. Et les ceintures coûtent combien? Les ceintures, c'est à partir de 5 000 francs. À partir de 5 000 francs. Ouais. Oh, je vois ce modèle aussi. Oh, super, ça. Pour les écolières, hein, et même pour les dames. Oh, wow, super. Mm-hmm. Wow. Ce modèle-là aussi est vraiment très joli. Merci. Je le fais plutôt comme ça. Alors, c'est deux différents modèles. Donc, bienvenue, félicitations. Merci beaucoup, madame. Et c'est toi-même qui l'as fait. Bien sûr. Alors, c'est à féliciter. Merci. Et je crois qu'au cours de ce mois, tu as beaucoup plus vendu que le mois dernier. Oui. Tu es allée à certaines expositions?
pas encore, mais je m'apprête pour ça. Non, t'inquiète, le Seigneur le fera. Amen. Tu vas faire partie des grandes foires, des foires internationales. Amen, et tes produits seront consommés. Amen. Alors, je veux savoir, est-ce que les jus prince sont uniquement consommés au Togo ici? Non. Ou encore? Les jus prince sont consommés au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Bénin. Mm-hmm. Et au niveau de toi, bienvenue. À l'extérieur du pays, quand même. Mm-hmm. Uh-huh. Les pays voisins. Et d'abord, j'ai envie de vous poser une question. On parle du mois du consommer local. Est-ce que vous-même, d'abord, vous consommez local? Oui. Uh-huh. Oui. Et qu'est-ce que vous consommez local? Bon, la plupart de la consommation locale qu'on dit, ça ne s'arrête pas à l'alimentation. Ouais. Ça s'arrête... bon, ça va plus loin dans nos habillements, mm-hmm, mm-hmm. nos culturels, mm-hmm. nos coiffeurs qui sont là. C'est le consommer local. Bien sûr. Donc, je consomme déjà local. Yeah. Et quand nous achetons à des mains, nous consommons forcément local. Et à l'international, je crois que le Seigneur va tracer le chemin pour vous. Amen. Et vous serez connu à l'international. C'est Amen. Ma prière pour vous. Amen. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce qu'après tout, nous irons payer la dîme. Hein? Oui, bien sûr. Parce que si on n'arrive pas à faire de bons chiffres d'affaires, la dîme ne pourra pas être vraiment payée. Donc, je prie que le ciel arrose vos marchandises et qu'il amène beaucoup plus de clients. Amen. Et que la clientèle soit si grande que vous n'aurez même pas le temps. Vous aurez de temps en temps des ruptures de stock. Amen. That's my prayer for you. Pour finir, je vais juste donner des témoignages par rapport à la sœur. Oui. Dans le consommer local, les tapettes que je porte jusqu'à maintenant, c'est elle qui me produit ça. Oh, est-ce que tu as porté les tapettes aujourd'hui? Non. D'accord. C'est elle, donc je consomme mm-hmm. local. D'accord. Félicitations alors. Parce que c'est une petite sœur qui le fait et puis rapidement, le grand frère consomme pour booster son entreprise. Donc, félicitations mm-hmm. à monsieur DG Gamme Santé. Alors, vos jus coûtent combien? On a vu quand même sur l'affiche, 500 francs. Est-ce qu'il n'y a pas moins de ça? Oui, l'unité sur le marché, c'est à 500. C'est à 500 francs. Les 500 francs pour le dernier consommateur. OK, pour le dernier consommateur. Pour achat et revente, il y a D'accord. Uh-huh. Donc, par exemple, moi, je veux acheter en gros. Je ne vais pas cramer forcément acheter à 500 francs, non, bien. D'accord. Il y a différents types d'engros. Uh-huh. Il y a les grossistes et les semi-grossistes. Les semi-grossistes. Donc, les prix diffèrent selon... la quantité achetée. Oui. Super ça. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être un entrepreneur ou bien une entrepreneur chrétienne? Ok, merci beaucoup pour la question. Et moi, je dirais que tout d'abord, pour être un entrepreneur chrétien, c'est un atout pour nous. C'est-à-dire, premièrement, tu as connu Christ. Christ est à ta base, ta fondation. Déjà, tout ce que tu auras entrepris, ça va donner, quoi. Ça va produire des fruits. Yeah. Donc, je dirais qu'un entrepreneur chrétien a des atouts. Premièrement, le Seigneur est de ses côtés. Il lui donne des idées pour pouvoir... La créativité aussi. Super des innovations. Alors, DG Gamme Santé, qu'est-ce que ça fait d'être un entrepreneur chrétien? Les chrétiens achètent beaucoup à crédit, c'est ça? bon, ça, cette question, c'est une question que j'ai appréciée. Okay. Pourquoi? Parce que, premièrement, le... Seigneur que nous adorons, c'est lui le créateur de tout. Mm-hmm. Et nous, en tant que ses fils, nous devons révéler les créations de notre Seigneur. Yeah. Donc, en tant qu'entrepreneur, nous révélons au fait les créations de nos seigneurs, de notre Seigneur. Mm-hmm. Et en plus de ça, c'est à nous la richesse au fait. Mm-hmm. Donc, nous devons également, par nos entreprises, mm-hmm. promouvoir Christ pour dire que en Christ, nous ne sommes pas des paresseux, au fait. Mm-hmm. Merci. D'accord, super ça. Alors, bienvenue. Oui. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Ok, merci pour la question. Par rapport aux défis, je dirais qu'ils sont énormes. Et tout d'abord, je voudrais parler du financement. C'est-à-dire, mm-hmm. quand tu es au début de l'entrepreneuriat, tu n'as pas le soutien financier. Mm-hmm. Et pour être équipé, parce qu'il faut des matériels, des machines pour pouvoir yeah. faire la production, pour mm-hmm. sortir un produit nickel. Donc, pour le premier défi, je dirais qu'il y a manque de moyens financiers. Mm-hmm. Et de l'autre côté aussi,
je dirais qu'on n'est pas connu. C'est maintenant que ça vient. Oui, ce n'est que le début, en fait. Oui, ce n'est pas dans nos mœurs de consommer des produits locaux. Mm-hmm. On se dit que ces produits coûtent cher, ouais, alors que ce sont des produits de bonne qualité. Mm-hmm. Donc, c'est encore un autre défi. Et c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de financement, d'ailleurs, qu'on trouve comme ça que les produits sont chers. Et parce que vous n'avez pas assez, dans le peu que vous avez, vous ne pourrez même pas aller acheter en gros, tellement en gros, pour que, comme il le disait tantôt, oui, le pull, voilà. Le coût mm-hmm. soit moins. Mm-hmm. Et aussi, par rapport aux matières premières, ce sont des produits importés. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui fait que le taux mm-hmm. des premières matières sont un peu élevé. Voilà. D'accord. Au niveau de DG Gamme Santé, et les défis, les difficultés, il y en a? Oui, il y a tellement de difficultés. Il y a tellement. Premièrement, entreprendre n'est pas facile. Yeah. Il faut le courage pour tenir. Parce que, spécialement dans notre environnement, elle vient de le dire, le financement n'est pas facile à trouver. Et c'est nous-mêmes qui débrouillons par rapport à nos moyens de bord pour pouvoir arriver. Et la consommation aussi n'est pas ça. La consommation n'est pas ça. Raison pour laquelle je viens de dire que nous, on produit plus sur commande. Mm-hmm. Parce que tant que tu fais tellement de production, tu as vraiment de la peine à l'écouler sur le marché. Yeah. Donc, il y a tellement de défis. Mm-hmm. Alors, quel appel est-ce que vous avez à lancer au corps de crise et puis à toute la population? Premièrement, j'aimerais leur dire merci pour la confiance qu'ils nous accordent et leur dire également de plus consommer nos produits que les produits d'ailleurs. Super ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut commencer par consommer ici. Oui, à vos bienvenus. Oui, ok. Par rapport à cette question, ce que regarde je peux... dans cette caméra-là. Ici, oui. ici. Ok, ce que je peux dire, c'est que c'est tout d'abord encourager surtout la communauté chrétienne à nous soutenir les uns les autres. Parce que sans ça, on ne pourra pas y arriver. Mm. Donc, je nous appelle à nous soutenir de tous côtés. Surtout sur les publicités, soutenir financièrement s'il le faut. Et puis, faire des achats pour encourager les entrepreneurs à y arriver. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et merci à bienvenue. Merci au DG Gamme Santé. Et je pense que le consommateur chrétien, la consommatrice chrétienne va faire le bon choix de vous contacter. Vos numéros rapidement. Oui, le plus 228 70 02 37 42. Est-ce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur le Facebook. Facebook, le nom? C'est Bienvenue Fâché. Il y a les produits là-bas? Oui. Super ça. Et vous, DG Gamme Santé? Directement pour me contacter, c'est le 90 01 49 37. Et nous sommes sur les réseaux sociaux également. Vous tapez Gamme Santé, ça, et puis vous avez nos produits. Ou bien, vous êtes sur notre plateforme et vous voyez tous les produits que nous avons. Super ça. Alors, merci d'être passé. Et il y a une autre équipe qui revient dans le cœur. À tout à l'heure. Et nous revoilà sur ce plateau avec deux jeunes belles dames. Shalom, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je vais super bien. Et dans l'ensemble? On rend grâce à Dieu. J'espère que vous allez bien aussi. Très bien, par la grâce de Dieu. Comme tu me vois, enrhumée, mais je tiens le coup, tu vois. Alors, je précise que Shalom Déborah Samaro est sérigraphe imprimeur. Également, elle est chantre de l'Éternel. Mais ce n'est pas pour la chanson qu'elle est là aujourd'hui. Elle est là pour parler de ses produits parce que nous sommes dans le mois du consommer local. Encore bienvenue, Shalom. Merci beaucoup. Alors, ma seconde belle dame se nomme Blessine Kouglenou Akouvi Edwige. Beaucoup de noms, beaucoup de prénoms. Comment ça va, Edwige? Je vais bien. Bon, je suis habituée à comment je dis, Blessine. Blessine, oui. Donc, comment est-ce que Blessine va? Blessine va très bien, par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien aussi. Super bien. Alors, on s'est rencontrés la première fois lors de notre émission de clôture l'année dernière dans la grande salle. Et aujourd'hui, encore, ça me fait plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé. Super ça. Alors, je précise que tu es commercial à Aliquier Direct. Aliquier Direct, oui. C'est en quelle langue?
Je pense que c'est un Moba, quelque chose comme ça. Ah bon, c'est la langue d'origine de la patronne. Et qui elle vient nous secourir. Hein? Ah, d'accord. Qui me dit les produits de chez nous. Les produits de chez nous. Très intéressant. Alors, super ça. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, nous parlons des produits locaux. Alors, Shalom, toi, étais une productrice locale et tu es sérigraphe et imprimeur. Alors, d'où est-ce que cette vocation t'est venue? Je crois que c'est parti de la classe de 3e. Ok. Et ce que je me rappelle, c'est que en classe, je faisais toujours les schémas pour tous les autres. Et j'allais être c'était là. C'était moi qui faisais les schémas. Parce que moi, j'étais nulle en schémas. En histoire, géographie, c'était moi. Et si ce n'était pas moi, les autres refusaient de recopier le dessin des autres. Et ok. Après le lycée, j'ai commencé en RH, ressources humaines. D'accord. Et un jour, j'ai rencontré mon professeur d'histoire géo qui m'a dit, tu fais quoi là-bas? Au lieu d'aller sur un cours d'art, au lieu de te chercher dans quelque chose d'artistique, tu perds du temps. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me chercher. Et c'est venu par une dame qui m'a indiqué la voie. Et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a formée. Mm-hmm. J'ai appris durant 2 ans. Mm-hmm. Et j'ai reçu mon diplôme. Et je suis patron moi-même actuellement. Patronne. Oui. Wow, félicitations. Merci beaucoup. Super, ça. Très bientôt, nous allons découvrir tes articles, tes produits que tu mets en place. Ou bien tu mets sur le marché togolais. Alors, Blessine, quant à toi, tu as choisi de commercialiser les produits de chez nous, les produits bio. Parle-nous un peu de tes produits. Hein. Ok, d'accord. Pas la présentation pour le moment, mais ce qui se fait dans ta société, je veux dire, à l'écuyer. D'accord. Direct. Comme le nom le dit, les produits de chez nous, nous sommes plus spécialisés dans la commercialisation des produits locaux 100% naturels, 100% bio. Okay. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous rassemblons les produits des autres producteurs. Mm-hmm. Voilà. Et nous les mettons en rayon pour que, bon, vous puissiez avoir tous vos produits préférés au même endroit, en fait. Et qu'est-ce que vous vendez, là? Chez nous, vous pouvez trouver, bon, jus de fruits, toutes sortes de jus de fruits, les liqueurs, les farines. Importés ou locaux? Local, super. Bien sûr. C'est un piège, en fait. Mais tu as su faire cela. Donc, vous pouvez aussi trouver les produits cosmétiques. OK. Bon, les pentades, les... Vous parlez de cosmétiques. Est-ce que ça, c'est pas importé par hasard? Non. D'accord. C'est fait ici. Des cosmétologues togolais? Mm-hmm. OK. Si, si. Des savons faits même à base de la poudre de moringa même. OK. Voilà, l'huile de palme, beurre de karité. Il y en a plein, vous serez surpris. Mm-hmm. Même des produits capillaires. Yeah. On en a plein. Bon, je ne saurais Et c'est citer. Parce que tu as de jolis cheveux. OK. Merci. Bon, voilà, on a plein d'autres choses. Donc, voilà, venez quoi. Merci beaucoup. Alors, pour le corps du Christ... D'abord, je veux savoir où se situe ta société, en fait. D'accord. Ali Kouye Direct est à Didogome Asiyeye, derrière IPG, voilà, juste dans le corner qui va vers la CET. Mm-hmm. Super ça. Alors, Shalom, actuellement, tu es où? Actuellement, je travaille à Totik Blinkomi. Totik Blinkomi. Oui. D'accord. C'est là où se trouve ton atelier. Oui, actuellement. Super ça. Alors, pour les différents produits, je commence par qui? Je commence par qui? Je commence par Blessé. Blessé, oui. Qu'est-ce que tu as apporté pour présenter au cœur de Christ aujourd'hui? D'accord. Bon, comme je le disais, c'est un produit que moi-même, j'aime beaucoup aussi. OK. Je dirais la poudre de moringa. D'accord. Cette poudre, vraiment, je dirais qu'elle est vraiment indispensable comme, pour petit comme grand. Mm-hmm. Voilà. Déjà, pour petit, je dis... ça aide à grandir, voilà. Ah bon? Si. Alors, les enfants de quel âge peuvent... Déjà, un enfant de, 6 ans peut en consommer. Voilà, ça aide aussi à booster la mémoire. OK. Oui, pour les études. Et ça se consomme comment? Voilà, on peut le mettre dans bouillie, faire une tisane avec. Bon, dans la sauce aussi. Ah, mais je vais voir. Voilà. OK. Donc, on peut mettre ça dans la sauce. Hein. Oui. Et donc, voilà. On peut mettre ça dans la sauce, c'est... Waouh. Et si c'est doux ou comment? Bon, c'est pas doux. C'est pas doux. Mais c'est pas amer non plus. C'est pas amer non plus. Donc ça se met dans toutes les nourritures. Voilà. Dans la bouillie, dans la sauce. Même dans les jus.
Même dans les jus. Mm-hmm. Oh, super ça. Alors, à part la peau de morigue, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a graines de lin aussi. Nous avons les graines de lin. Bon, moi, je l'aime plus pour ses propriétés capillaires. Okay. J'ai les cheveux, voilà, un peu touffés, un peu têtus. Mm-hmm. OK. Donc, bon, c'est ça ramollit. D'accord. Tu fais un gel avec, c'est très simple. Tu mets de l'eau à bouillir, tu le verses dedans. Après, remuer quelques... Après, ça devient gluant. Oui. Et tu le mets sur les cheveux. C'est avec les grains? Non, tu peux t'amuser comme bon. Uh-huh. Si tu mets avec les grains, ça va être un peu difficile. Ah oui. Après, mais bon, tu t'amuses et tu le mets sur les cheveux, ça adoucit. Et certains même le prennent pour remplacer le gel. Mm-hmm. Okay. Ça plaque les cheveux. Ah bon? Voilà. Naturellement, ça. Oui. Mm-hmm. À part ça aussi, bon, ça a plein d'autres qualités. Il y a beaucoup de calcium, magnésium, des dents. On peut boire. Hein? Voilà, on peut boire. Et comment aussi. Est-ce qu'on... Comme on le fait le gel, on le boit comme ça. Ou bien certaines, ce qu'ils font, le mieux pour tirer plus de bénéfices là-dedans, c'est de, comment l'appelle-t-on, l'écraser ou bien, oui. Voilà, au moulinet. Oui, voilà. Poudre, je vois. Voilà. Pour réduire ça en poudre. Oui. Ah, comme voilà. Le moringa. Voilà. D'accord. Consommer par après. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du collagène. Le collagène, oui. Pas collagène. Hein. Non. Collagène. Collagène. Je vois, vous savez, cola et puis j'ai jambes. Oui, okay. J'ai rapidement défini. Exactement. Bon, okay. C'est fait à base des épices. Okay. Voilà, et ce qui aide à booster la libido des hommes. Bon, je sais qu'arriver à un certain âge et tout, avec l'habitude et tout aussi. Ça devient difficile. Voilà. Donc, ça aide à booster la libido. Ça règle les problèmes de fertilité chez les hommes. Chez aussi. Les hommes. Voilà. Donc, ça, c'est uniquement hommes. Pour les hommes. Il y a pour les femmes aussi, mais malheureusement, je ne l'ai pas apporté. Ah, pourquoi tu as fait ça à les femmes? Attention, blessing, pour la prochaine fois. D'accord. Alors, sur quel numéro on peut vous contacter? D'accord. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, mm-hmm. Voilà, ou bien nous appeler sur le 90 02 70 70 ou bien le 97 40 25 25. Super ça. Alors, je précise aussi que vous commercialisez les produits alimentaires. Oui. Et je me rappelle l'année dernière, tu me disais que, par exemple, pour ceux-là qui vont au service et qui ne reviennent pas à temps, il y a des kits qui sont faits pour ces personnes-là, voilà. Adémé, huile rouge, tout est mis ensemble. Oui. Et toi, tu passes juste là comme monde. Et vous avez aussi des livreurs, je crois. Exactement, bien. Nous mm-hmm. avons des livreurs. Et nous avons aussi un service Gozem, bon, pour ceux qui okay. se disent que c'est plus sécurisant. Voilà. Et donc, directement, dès que vous passez la commande sur ces numéros, oui. Et ces livreurs vont vous apporter vos colis en toute sécurité. Exactement. Super. Est-ce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Si, on est sur voilà, Facebook, TikTok. On est plus actif sur TikTok ces derniers ah, temps. Ah oui. Donc, tapez juste Ali Kouyé direct et vous allez nous trouver. Super ça. Merci beaucoup. Alors, Shalom, je suis à toi maintenant. Alors, est-ce que tu auras l'amabilité de présenter tes produits à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices? Okay. Ouais. J'ai avec moi une jolie tasse imprimée, personnalisée. Ok, tu peux montrer bien voilà. À la caméra. Ouais. 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 J'avoue que j'aime la beaucoup. Tasse, elle est hyper, hyper jolie. Voilà. Elle est hyper jolie. Et donc, la tasse, si, elle est hyper jolie. Tu sais, mes tasses sont cassées, c'est pourquoi je n'ai pas disposé de tasse ici. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices d'émission Un regard sur la Bible, prochainement, nous aurons de nouvelles tasses imprimées par Shalom. Amen. Voilà. Ah oui, super ça. Ok, j'ai quoi aussi d'autre? Une jolie casquette mm-hmm. De la marque Future okay. que j'ai faite en collaboration avec l'un de mes collègues. Super ça. En plus okay. De son t-shirt. Voilà. D'accord. Ok. Joli. Et bien propre d'ailleurs. J'aime bien. Ainsi que Lacoste, que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et pourquoi à cause de la couleur. Oh, ok. Oui, c'est une très belle beaucoup. Couleur. Ça, je l'ai faite spécialement Chosen. Pour... Chosen Generation. Oh, voilà. Cool. Nice. J'ai apporté aussi quelques... porte-clés. D'accord. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Mm-hmm. Voilà. Et qu'est-ce qui fait la particularité de cette huile beaucoup? Moi, je veux voir. J'aime le design. Ok. C'est toi-même qui l'a conçu, le design?
La conception est faite par l'un de mes patrons. Ok. Il est spécialisé en ça. En ça. Oui. Et le travail, c'est moi. Ouais. Voilà. Cool. Ainsi que celle-ci, c'est pour une société aussi. Et on fait tout genre de formes, pas seulement ces trois-là, tout genre de formes et d'autres formes aussi avec des cordes. Il y en a aussi en mode porte-clé et ouvre aussi. Ok. Donc, pas seulement ceux-là. On fait des impressions sur les pagnes, les stylos. Oui. Il y a certaines images que tu m'as envoyées aussi. Même les sacs de charbon. Les sacs de charbon? Oui. Vous imprimez les sacs de marché, les sacs en pagne. Et pourquoi vous imprimez les sacs de charbon? Oui. Pour que... Les impressions qui sont sur les sacs de charbon, et après on écrit 140 grammes avec leur nom. Oui. Même sur Bafana, ce n'est pas impossible. Ok, d'accord. Donc les gens passent les commandes et vous les imprimez. Oui, en douzaine, en centaine, en quantité. Alors, vous faites aussi impression sur des plastiques. Oui, des sachets plastiques. Des sachets plastiques. Oui. Alors peut-être vous êtes couturière, chef d'entreprise et vous livrez des produits aux gens. Moi, j'aimerais vous encourager à passer des commandes au niveau de Shalom pour vous faire personnaliser les sachets. Et comme ça, vous mettez il y a le numéro, il y a le nom de l'entreprise et tout là-dessus. Et cela vous permettra. Alors moi, je rends un témoignage. Moi, je crois que c'est très intéressant pour les différents chefs d'entreprise. Je me rappelle que j'avais acheté quelque chose un jour à quelque part. Et finalement, je n'arrive plus à retrouver le produit parce que les personnes avaient déménagé de leur lieu. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis rappelé que le sachet dans lequel on avait mis mes produits que j'avais achetés, il y avait le numéro dessus. Voilà. Et là, j'ai appelé le numéro, il y en avait deux. Il y avait un numéro que j'appelais, mais c'était rare qu'on décroche et qu'on puisse me satisfaire, quoi. Et donc, finalement, j'ai rapidement trouvé les deux numéros sur le sachet. Et j'ai pris ces numéros. Dès que j'ai appelé, le mois qui avait suivi, j'ai été livrée. Donc, à vous, mes couturières, à vous, mes tailleurs, à vous, mes cordonniers, il faut faire les choses bien. Il faut personnaliser vos outils de travail afin que vous soyez beaucoup plus connus. Sur le plan national, si par exemple, quelqu'un prend ce sachet et va à Dapao et que la personne est intéressée peut-être par vos articles qui sont déjà imprimés sur le sachet rapidement, vous gagnez de la clientèle et ainsi de suite. Merci beaucoup, Shalom. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être... une entrepreneur ou bien un producteur local, ça fait quoi? Wow. C'est un privilège aussi, mais c'est du travail. Ah oui, hein? Et de l'endurance de chaque jour. C'est ça. Voilà, parce que bon, des fois, c'est pas facile. Voilà. Il faut le dire bien, c'est pas facile. C'est pas facile, mais bon, on se dit que c'est pour la bonne cause. Yeah. Et donc, on se donne les moyens. Et avec la grâce de Dieu, on y arrive toujours. Voilà. Shalom, de ton côté, ça se passe comment? De mon côté, je peux dire que c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible, je peux dire. Parce que quand on est enfant de Dieu et qu'on se lance personnellement à faire quelque chose, il y a aussi la grâce de Dieu qui nous accompagne et le Saint-Esprit nous inspire dans toute notre créativité, dans nos secteurs d'activité. Donc, il faut surtout que nous prions beaucoup parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a des pertes, il y a des dettes, mais l'objectif... Dieu va nous encourager à tenir bon. Avançons. On avance. C'est ça. Voilà. Je vois quelque chose ici. C'est quoi ça? Ça, c'est une barrette? Oui, c'est personnalisé. Okay. C'est une barrette. Mais ça m'a... Est-ce que je vais encore laisser ça? Est-ce que je vais laisser ça? Non, moi, je ne pense pas. Je prends ça à la fin de l'émission directe. Alors, voilà donc le chemin n'est pas facile, n'est-ce pas? Oui. Mais avec l'aide du Seigneur, je crois bien que vous ferez... des exploits dans le nom de Jésus-Christ. Alors, vos numéros rapidement. Je commence par Shalom. 96-69-45-04. Le Togocel, c'est le 90-89-46-21. Alors, l'atelier se situe où? Tochi, Blincom et Carrefour de l'Amitié. D'accord. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp sur le 90-02-70-70 ou bien le 97-40-25-25. Alors super, nous sommes bientôt, si ce serait les fêtes,
au niveau de la JAD, des JAD locales de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Vous passez vos commentaires au niveau de Shalom pour vos impressions, t-shirts, et je sais très bien que vous serez satisfait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour vous, nos belles dames qui passez toute la journée au boulot, et vous revenez très tardivement, vous allez passer au niveau de la société Alikouye, direct, et puis c'est direct, hein, mm-hmm. parce qu'ils ont un service à leur disposition pour vous servir rapidement. Donc, je crois bien que nos téléspectateurs, téléspectatrices chrétiennes, ont compris, ont entendu le message, et ils vont courir vers vous pour consommer rien que des produits locaux. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci d'être passé. Merci à vous aussi. Et si le Seigneur le veut, on va se retrouver bien sûr à la fin de l'année. Oui. Et chers téléspectateurs, cette émission s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis dans cette émission d'aujourd'hui. Nous voulons vous encourager à consommer local, aller vers les consommateurs, enfin les producteurs, les productrices locaux. Et acheter vos produits. C'est bien, l'extérieur aussi apporte des choses, mais si nous ne boostons pas. Et quand le chiffre d'affaires est faible pour le chrétien, comment est-ce qu'il pourra être à l'aise et payer sa dîme et payer et satisfaire les besoins financiers de l'Église? Donc, nous encourageons tout le corps de Christ à faire un gros effort pour encourager tous les producteurs locaux. Passez vos commandes. Partagez cette émission. Vous allez la revoir sur le YouTube, sur, je pense, puis aussi le Facebook, bientôt le Facebook, mais plus nous sommes sur le YouTube maintenant. Donc, partagez cette émission. Invitez les autres à suivre et à découvrir nos producteurs locaux et productrices locales qui sont des chrétiennes et des chrétiens. Donc, c'est ça l'objectif de cette émission, c'était ça. Merci à nos chères invitées. Elles sont les toutes dernières. Que le Seigneur vous raccompagne. Amen. Et que vous, nos chers téléspectateurs, le Seigneur vous garde en bonne santé et qu'on se retrouve prochainement. Au revoir. Au revoir. Au revoir.